allez, on regarde. Bonjour. Donc aujourd'hui, on est avec 4 personnes qui ont vécu une expérience très sympa, je pense. Hein? Extrêmement. Ouais, extrêmement, c'était génial. Donc vous allez nous en parler. Et surtout, lui. Parce que lui, on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps sur ce canapé, et on parlait de certaines choses qu'il a pu faire encore une fois à la Coupe Davis, à savoir ramasseur de balles. Oui. Ah, c'est bien. Bon, et donc on va commencer par les filles. Et, hein, oui, évidemment. On va commencer par les filles. Donc les filles. Alors, on s'est pété la voix. Ah, la Coupe Davis. Oui. D'accord. Donc et il faudrait remettre un peu le contexte. Parce que tout le monde sait pas ce que c'est, tout le monde ne sait pas où c'est que c'était, quel enjeu il y avait. Bon. Alors, donc, c'était la finale de la Coupe Davis. Coupe Davis qui la est... dernière Coupe Davis. Oui, ouais. Coupe Davis qui est quoi? La dernière Coupe Davis, la dernière formule comme ça. Voilà. Ouais. Et Coupe Davis, c'est quoi alors? C'est un championnat mondial par équipe. Oui. C'est ça? Oui. Si. Championnat du monde par équipe, voilà. Qui regroupe tous les meilleurs pays du monde, au tennis. Et là, en l'occurrence, la France, qui est tenante du titre, l'an dernier, qui a battu la Belgique, a joué. On y était aussi. Ouais, on y était aussi. On a joué en finale cette année contre la Croatie. Voilà. C'était pas la même histoire. C'était à Lille. C'était pas la même. C'était pas pareil. C'était à Lille, ouais. C'était à Lille, par contre, sur 3 jours. Même voilà, stade. Sur les mêmes cours. Ouais, mais c'était pas la même surface. Voilà, ouais. L'année dernière, on avait joué les Belges sur dur. Sur dur. Et là, cette année, c'était la Croatie sur terre. Ouais. Ça nous a pas réussi. Bon. Non, ça nous a pas réussi. C'est pas grave. Donc, les filles, est-ce que vous étiez déjà allées l'an dernier? Oui, moi, on était allé voir. Donc, comparé à l'an dernier, il y avait un peu la même ambiance, mais un peu plus là. Plus d'ambiance si top, cette année. Ouais. Alors que. Perdez. C'est pour ça. Au début, peut-être. Je crois. Bah justement, on se donnait plus après quand il y avait le double. Ouais. Et le double, c'était trop bien. Ouais, le double, c'était le même. Le premier jour, il n'y avait pas trop d'ambiance. Il y en avait, mais c'était pas. Mais nous, on n'était pas là. Ouais, c'est pour ça. Voilà, c'était pour ça. Et. Ouais, donc du coup plus d'ambiance parce qu'ils étaient peut-être pas ils étaient pas plus d'enjeux. Ouais, plus d'enjeux de faire le doublé et peut-être qu'ils étaient moins forts sur le papier par rapport aux autres. Donc du coup le pays le pays avec Sidic et Kovic là. C'était compliqué. Et Lucas, pareil, t'as vécu les deux. Ouais, pareil, j'ai vécu les deux et franchement tout aussi bien les l'un que l'autre. Et l'ambiance au top. Ouais. Donc qu'est-ce que vu qu'il y a plein d'enfants qui vont le regarder, des adultes du club qui le regardent et qui, eux, n'ont pas encore vécu ça. Et j'espère pour eux qu'ils iront voir. Ils n'auront pas la même chose, mais. Peut-être pas dans le même cas. Il y aura sûrement la même voir des matchs de tennis quand même. Des matchs de tennis, bien sûr. Avec des ambiances différentes, mais je pense quand même que celle de la Coupe Davis, quand même, c'est à part. Et même s'il y a une nouvelle formule, je vais même la finale de Roland, il n'y a pas la même ambiance. Pas pareil. Non. Bah, c'est pas les Français. Ouais, c'est les filles de France. Peut-être que s'il y avait un Français en finale, c'est peut-être ça. C'est vrai. Mais là, c'est... Bonne remarque. Ah oui. Et prends un moment, mec. Bêtisé direct. Ah, ça, nickel. Bon, très bien. Et donc, Lucas, ouais, toi, pareil, même sensation, même que... Sensation, j'ai fait plusieurs fois Roland et tout ça, et la Coupe Davis, c'est... Moi aussi, j'ai fait plusieurs fois Roland. C'est les meilleures sensations. C'est ce que tu passes en équipe. Ce que tu peux retrouver le week-end en équipe. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas la même chose. C'est tout le monde qu'il y a pour soutenir une équipe, c'est énorme. Il y avait 26 000 personnes. Il y avait écrit sur les stats, il y avait 2% qui soutenaient les Croates et 98% pour les Français. Ça, il faisait du bruit. Il y avait 800 Croates. 800 Croates sur les 26 000. Et 26 000. Sur les 26. Ils étaient un petit groupe, mais ça leur a suivi. Par contre, ils avaient deux joueurs assez solides. C'est ça. Pour le coup, ils sont solides. Même en double, ils n'étaient pas. Si, ils étaient trop forts. Très fort. Et donc ça, c'était un peu la vision spectateur. Voilà. Et là, on rentre dans la vision. Sur le coup. Toi, un petit peu caché. C'est pas oublié, mais il y est. Et donc là, Mathéo, il y allait en ramasseur de balles quand même. Donc là, si tu devais comparer à Roland.
Les ambiances, les... Bah, c'est... l'organisation, le... les joueurs. Bah, l'organisation, c'est beaucoup plus rapide, c'est 3 jours déjà, donc c'est... on s'installe pas, c'est... on est tout de suite dans le truc, et on est tout de suite famille, on est que 18 là, au lieu de 250. Et après, bah, l'ambiance, il y a beaucoup plus de bruit, beaucoup plus d'ambiance. Alors qu'à Roland, entre chaque point, il y a le silence. Là, des fois, il joue alors qu'il y a, il y a le bruit. Et après, à Roland, on t'encourage pas à toi. Là, là on lui a crié. Quand il arrive, c'est Mathéo. Ouais, je les ai entendus. Mais pas sur le terrain, pas sur le terrain. Sur le terrain, j'entendais pas. Mais quand j'étais, quand je suis sorti, ouais, je les ai entendus. C'est trop bien. Et après, est-ce que depuis l'intérieur, t'as pu voir des choses que t'as pas vues à Roland ou des choses que tu vois aussi à Roland, mais des trucs que nous, on peut pas voir. Bah, j'ai vu les vestiaires des joueurs, j'ai vu bah, les joueurs aussi, j'étais avec les joueurs, on prenait les mêmes couloirs, donc on était tout le temps avec eux. Ouais. J'ai eu les voitures aussi des joueurs, j'ai eu une petite Jaguar, à l'aéroport, j'étais Mais est-ce que les joueurs, ils avaient la même attitude qu'un Roland ou c'est... Non, ils sont beaucoup plus cool. Quand on est arrivé le jeudi soir, pour préparer les cérémonies ça, Il y avait entraînement et tout ça. Yedinor, il est venu nous voir, il a discuté. Les joueurs aussi, ils sont venus avec nous, ils ont discuté. Donc il était cool. Ah, c'est bien ça. Bon, le samedi, ils étaient un peu moins cool. Mais... avec deux défaites du vendredi, c'est un peu plus tendu. Et dimanche, on s'est pas vu. dimanche, ils se sont marrés. Si, dimanche, après, une fois qu'ils avaient perdu, toutes les cérémonies, tout ça s'était passé, ils sont revenus nous voir et tout ça. On a pu prendre des photos avec eux, ils ont discuté avec nous. Ils ont dit que. Qu'on allait peut-être les revoir en Roland. D'accord. C'est pas toi, mais. Non, moi non. Non plus, mais... bon, merci d'être venu. Avec plaisir. Et à bientôt pour le ciao.